Chers téléspectateurs de Zoé Channel, chers enfants dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le mois de février et le mois de mars à Rémamine Simichon sont deux mois prophétiques, deux mois de force majeure, de démonstration de la puissance de Dieu dans la véracité du message de l'Évangile pour le salut des nations. De nombreuses personnes dans ce pays, hors de ce pays, quittent de loin pour venir écouter l'Évangile dans sa beauté, pour le salut de leurs âmes et la rémission de leurs péchés, et pour la guérison de leur corps, de leur âme et de leur esprit. Ne restez pas à la maison, ne soyez pas indifférents au grand mouvement de l'esprit dans notre ministère à Réma, ministre Michel. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5, Kai ho logos mou, kai to kero mamou, et ma parole, et ma prédication. Ouk en peitois, sophias logois, n'était pas basé sur des discours persuasifs de la sagesse. Al en apodeikei, pneumatos, kai dunameos, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et il continuera en disant, il n'a même pistis, Humon, mais est en sophias anthropon, en sorte que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, al en dynameitei, mais sur la puissance de Dieu. Il y a un grand mouvement révolutionnaire prophétique qui est en train de secouer le ministère Réma Ministry Mission, et ne restez pas à la maison, ne soyez pas indifférents à cette saison de visitation divine, de restauration, de guérison, de salut et de salvation holistique. Alors, je vous invite ce dimanche 23 février à partir de 16h à Etoimeki. Venez pas seulement pour être spectateur de la puissance de Dieu en action, mais à être participant vous-même de cette grande gloire que Dieu est en train de répandre sur notre ministère. Cette semaine, Dieu se manifestera. Et le 1er mars 2020, Dieu se manifestera au palais des congrès de Yaoundé à partir de 8h pour le grand culte des plaintes à l'Éternel, le premier service des plaintes à l'Éternel. Des milliers de personnes viennent à ce culte des plaintes à l'Éternel présenter leurs plaintes devant Dieu qui répondra au temps convenable. Lorsque nous prions, Dieu nous entend. Quand nous crions, Dieu nous exauce et nous secoue. Venez présenter votre plainte pour 2020. Qu'est-ce que vous attendez que Dieu fasse pour votre vie en cette année? Quelles sont les choses qui ne vont pas en droite ligne avec votre bonheur et que vous voulez que Dieu extirpe haute de votre vie à porter vos plaintes? Des formats OIN seront disponibles gratuitement pour chacun de vous. Les stylos OIN seront aussi disponibles pour écrire nos plaintes sur nos formats OIN. L'huile de faveur sera disponible pour une onction millénaire, une onction éternelle qui durera pour toujours et qui se transmettra de génération en génération dans notre arbre généalogique. La gloire de Dieu se manifestera. Service d'eau ointe gratuite donnée à chacun et vous devriez vous dire, cette bouteille d'eau, la première de 2020, il faut absolument que je goûte de cette eau bénie, de cette eau ointe, cette eau dans laquelle la gloire de Dieu abonde. Ce dimanche 23 février, à partir de 16h, n'oubliez pas le grand rendez-vous avec toi, Meki. Nous avons des choses extraordinaires. Tout le monde sera oint. Il y a une onction générale et familiale que Dieu m'a donnée comme injonction prophétique à appliquer dans la vie de tous ceux qui viennent pour briser les malédictions, les limitations, les blocages et toute autre forme de malédiction familiale, parentale, ancestrale, dans la maison de notre père ou bien de notre mère. Donc, tout le monde recevra cette onction et dimanche le 23, c'est le dernier dimanche de ce mois de février. Et si vous n'avez pas encore eu cette onction, s'il vous plaît, venez et participez à cette grâce et à cette onction. Hormis cela, nous avons une grande mission prophétique que j'ai confiée à tous mes fils, à tous les fils que j'ai à Réma Ministry Mission, tous les pasteurs. Nous avons découvert un jeune sorcier notoire qui a confessé qu'il y a un arbre à Lonkak qu'on appelle Tarzan. Et c'est sur cet arbre et sous cet arbre qu'ils ont enterré des gris-gris et qu'ils tiennent des réunions pour envoûter les habitants de Yaoundé.
J'ai envoyé une équipe de pasteurs aller avec l'huile de faveur là-bas pour détruire les fondations maléfiques et de sorcellerie qui sont dites contre la ville de Yaoundé à partir de cet arbre qu'on appelle Tarzan. On m'a dit que c'est un grand arbre, lugubre et effrayant. Donc après cette mission, nous nous retrouverons dimanche le 23 avec toi, Mickey, pour le compte rendu de comment la mission s'est déroulée pour détruire cette forteresse de sorcellerie établie contre notre ville et contre ses habitants. En outre, toutes les familles qui sont victimes de sorcellerie, qui ont des enfants sorciers, des membres engagés dans la sorcellerie pour la destruction de leur propre famille et de la société camerounaise, dimanche le 23, vous écouterez des témoignages et des confessions des sorciers qui vont vous époustoufler pour que vous compreniez que la sorcellerie est un fléau et la sorcellerie contribue à la destruction. Et la sorcellerie contribue grandement à la destruction de notre nation, à l'appauvrissement des citoyens de notre nation et que beaucoup de personnes souffrent des maladies physiques ou spirituelles dues à la sorcellerie, c'est-à-dire causées par des hommes malveillants, des femmes malveillantes qui se sont engagées à servir Satan pour la destruction du genre humain. Donc ce dimanche 23, des choses terribles se feront, des confessions terribles qui vous donneront froid au dos se feront et Dieu délivrera toutes nos familles des affres de la sorcellerie. La Bible dit dans Nombre 23, verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la sorcellerie contre Jacob. Donc, l'œuvre de la sorcellerie est une réalité. Beaucoup de gens ne se marient pas à cause de la sorcellerie. D'autres, dans le travail, n'avancent pas à cause de la sorcellerie. D'autres ont l'argent, ne font rien de l'argent à cause de la sorcellerie. Blocage à gauche, blocage à droite, le commerce, ça ne va pas, le business, etc. Dieu veut nous délivrer. Une seule date, dimanche le 23 février. Et dimanche le 1er mars, ce sera au palais des congrès. Dieu va se glorifier de façon extraordinaire au long du culte des plaintes à l'Éternel. Pendant que vous venez, vous êtes mes invités. La prophétie. J'ai vu une jeune femme. Vous êtes allé quelque part, il y a un jeune homme qui vous a abordé. Il vous a dragué. Il vous a dragué. Et vous a remis comme un papier, c'est comme un morceau, un bout de papier, je vois comme un numéro sur ça. Le jeune homme s'appelle Sally. Sally, 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 Sally. Hello, venez. Qu'est-ce qui s'est passé? Papa dit à Antu, c'était la semaine passée. Oui. C'est lui qui transporte ma chandise, son nom c'est Sally. Oui. Donnant un numéro. D'accord, merci. L'Éternel vous aime, madame. The Lord loves you, mother. Il vous a donné un numéro orange. Oui, papa. 699. 99. 66. Les deux dernières lettres. C'est les deux derniers chiffres, il y a 6. Le reste, je garde. Hein? C'est, à la fin, c'est 60 quelque chose. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Regardez. Jesus. Dans votre vie, in your life, on a dit que vous ferez tout, mais vous n'allez jamais être stable dans un foyer. Vous êtes marié? Papa, je vis avec quelqu'un. D'accord. Depuis, le mariage n'arrive pas à se faire. Hein? C'est ça? Oui, papa. Vous battez. Depuis, le mariage n'arrive pas à se faire. Oui, papa. Hein? J'ai vu 3 ans de bataille. Papa, j'ai fait les enfants avec 3 hommes. D'accord. Déception, déception, déception. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Why? Because there is something. Il y a quelque chose qui a été fait contre vous. Hein? Oui, papa. Quand je vous ai vu dans le règne de l'esprit, j'ai vu une femme qu'on appelait comme Charlotte. Hein? Oui, papa. Charlotte. Oui, papa. Elle est où maintenant? Where is Charlotte, c'est la coépouse de ma maman. Elle est où? Elle est au village. D'accord. Je vais montrer quelque chose. Il y a des batailles. Hein? Il y a des batailles. Il y a des batailles. Il y a des batailles, je vais vous raconter une histoire. Quand Charlotte est venue, quand elle est venue en mariage, il y a quelqu'un qui l'a envoyé en mariage. Hein? Ce n'est pas son père qui l'a envoyé en mariage. C'était le frère de son père, son oncle, qu'on appelle Petit. Hein? Qu'on appelle Petit, qui l'a conduite dans le mariage. Son oncle Petit, c'est un monsieur qui était réputé. Hein? Qui était réputé. Papa. Et la famille de la dame-ci, du côté de son oncle, c'est-à-dire paternel, était réputée de sorcellerie. Et il y a des choses qu'on a faites sur elle, qu'on lui a remises. Elle est venue au mariage, en mariage avec. Oui, papa. Et ça a affecté immédiatement
toute la famille et les filles dans votre famille. Et où vous êtes, si on ne prie pas avec vous aujourd'hui, vous ne vous marierez jamais. You'll never get married. Heureusement qu'elle est ici. Votre belle-mère, il y a des cris qu'on lui a remis. Qu'elle a porté, elle est venue avec un mariage. Mais c'était des incantations que Betty avait faites pour que tout autour d'elle soit gâté. Votre mère a été combattue. Your mother was fought. Elle a été combattue. Dans la sorcellerie, ces gris-gris l'ont combattue. Beaucoup, elle était gravement malade. On l'a menée à l'hôpital. La voiture arrivait en route, fait tonneau. Elle fait péter. 6 jours. Quand le micro dérange, vous me le changez, s'il vous plaît. D'accord. Regardez. Papa. Dieu. God. Vous aime. Merci, papa. Vous comprenez? Oui, papa. Le Dieu des cieux vous aime. Papa. Quand je vous ai vu, le Seigneur m'a dit, certainement je lui ferai du bien. Dieu m'a dit qu'il vous fera du bien. J'ai vu Dani. Oui, papa. Dani. Daniel. Oui, papa. J'ai vu Daniel. I saw Daniel. J'ai vu Daniel. I saw Daniel. Zamarash. Et j'ai vu Daniel. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Daniel? Oui, papa. Oui, papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? What happened with him? Vous l'aimiez? Do you loved him? Est-ce que vous étiez amoureuse de lui? Non, papa. Est-ce qu'il était amoureux de vous? Oui, papa. Pourquoi vous dites que vous n'étiez pas amoureuse de Daniel? Pourquoi? Why do you say you were not in love with Daniel? Papa, parce que ses habitudes ne me plaisaient pas. Il buvait col au vent. C'est pour ça que vous ne l'aimiez pas? Oui, papa. Oui, papa. Vous avez commis une erreur. You committed an error. Je vous dis, vous avez commis une erreur. You vous comprenez? Oui, papa. Vous l'auriez changé. You would have changed. Parce que le jeune homme-ci, il y a une grande grâce dans sa vie. There mais vous l'avez connu à une époque où le diable le combattait pour détruire sa destinée. Ce n'est pas qu'il aimait boire. Non, il était esclave de la boisson. Oui, il était esclave, he tout simplement, slave, de la boisson. Of drink. Et regardez, Look, Samora Inaros, à l'époque. At the time, j'ai parlé de qui? Daniel. Dani. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, papa. Regardez. Daniel vous aimait sincèrement. Vous Daniel comprenez? Oui, papa. Et c'est un jeune homme qui était prêt à tout. Pour vous. Si vous lui avez dit arrête, il aurait arrêté. He would have stopped. Mais quelque chose s'est passé. But something happened. Il a été embouté. Il avait deux amis. Avec qui il ne se séparait pas. Deux amis. Il avait ses deux amis. His two friends. Le premier s'appelait Yves. The first was called Yves. Le deuxième s'appelait Jean. The second was called Jean. Hein? Il avait Jean comme he ami. Jean il avait friend. Yves. He had Yves. Ses deux amis his two friends ont été responsables were responsible de la mauvaise vie dans laquelle il vivait. Of the bad life in which he was living. Ses deux amis, Yves his et Jean, two friends, étaient Yves and Jean, comme une source, they were like a source de malédiction of curse dans la vie in the life de Daniel. Of Daniel. Et Dieu voulait passer par vous and God wanted pour sauver to pass Daniel through you to et save en faire Daniel. Un homme qui allait être une bénédiction and do pour a vous parce qu'il a un grand a avenir. For you because he had a good mais maintenant, future. Vous n'avez pas fait ça. But you did not do that. Attendez. Vous n'avez. Je peux vous étonner. Attendez, vous me connaissez you? Quelque part? Non, papa. Vous êtes sûr? Are you sure? Non, papa. Hein? Papa, vous voyez seulement à la télé. À la télé. Et je viens souvent à Réma. Bien. Moi-même, je viens souvent à Réma. Vous vous souvenez de Chantal? Do you remember oui, papa. Chantal? Chantal, c'est ma copine. D'accord. Je vais vous montrer quelque chose. I'll show you something. Elle est où? Where papa, she? Elle est en Bombi. Hein? Elle est en Bombi, c'est ma meilleure copine, papa. J'ai vu Daniel regarder Chantal. I saw Daniel looking at Chantal. La même zone. Annie va en face, papa. Oui, c'est ça que je suis en train de vous dire que j'ai vu Chantal récupérer Dani. Chantal taking Dani. Regardez, Dieu va faire quelque chose. Hein? J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Stéphane. I saw a young man called Stéphane. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Stéphane. Oui, papa. J'ai vu Stéphane. I saw Stéphane. Et quand j'ai vu Stéphane, and when I saw Stéphane, Steph. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu Stéphane, oui, papa. Je l'ai vu venir devant vous. I saw him coming close to you. Vous le connaissez? Hein? Oui, papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? What happened with him? Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? What happened to him? A passé, j'ai la... C'était la semaine passée. Oui.
Je partais au niveau de Ntui parce que j'achète la marchandise, je pars vendre en Ntui. Oui. J'arrive au niveau du bac là. J'étais assise là. Il y a un monsieur qui, avec le camion, il partait livrer l'eau. Je m'approche, je dis bonsoir monsieur, il dit bonsoir madame. Je dis que s'il vous plaît, est-ce que vous faites la ligne de Ntui? Il me dit oui, par moment. J'arrive donc, je dis que pardon, j'ai ma marchandise que je vais rentrer avec. Je voudrais que vous m'aidiez à ramener ma marchandise. Il me dit, ok, je vais te porter. Je demande, ok, donnez-moi alors votre numéro. Dès que je finis d'acheter ma marchandise, vous m'accompagnez à Yaoundé. Il me dit, oui, madame. Quand je finis de prendre le numéro, il dit que mon nom, c'est Stéphane. Quand j'ai vu Stéphane, j'ai cru que c'était quelqu'un de bien. I thought he was someone good. Et je suis entré dans les archives prophétiques. And I entered the prophetic pour regarder sa fiche de renseignement prophétique. Et les choses que j'ai découvertes and the things I discovered n'étaient pas bonnes. Were not good. Et j'ai compris que Stéphane n'était pas quelqu'un sur qui il faut attacher votre cœur. Amen, papa. Et j'ai continué les recherches. And I continued the research. Je suis arrivé, j'ai vu un dossier. I saw a file. Et j'ai vu quelqu'un. And I saw oui, papa. Je me suis arrêté sur ce dossier. I stopped on this file. Je suis allé dans le côté des CV, du CV prophétique. I went on the side of j'ai essayé de lire son curriculum vitae. I tried to read his CV. Prophétique. Et j'ai regardé. And I looked. J'ai lu. I read. Je suis allé dans sa fiche de renseignement prophétique. J'ai lu. I read. J'ai regardé son profil. I looked at j'ai his regardé profile. Le profil du genre que vous aimez. I looked at the profile j'ai fait of the des mathématiques prophétiques. Yes. J'ai essayé de provoquer une sorte de chimiotactisme prophétique. Yes. Après évaluation, after evaluation, j'ai compris que ce chimiotactisme prophétique va marcher. Amen. Amen. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Christian. I saw a young man called Christian. Ah, oui papa. J'ai vu un jeune homme qu'on appelle Christian. I saw a young man called Christian. Ça c'est un jeune homme qui vous a abordé dans le passé. It's a young man that came to you in the past. Et il vous aimait. And he loved you. Papa, je peux canter encore. Oui, je sais. Mais vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas voulu. Vous avez négligé. Papa, il n'est même plus ici. D'accord. On l'appelle comment? Christian. D'accord. Jesus. Papa, il est en France. Est-ce que Jésus est bon? Écoutez. Listen. À l'heure où je vous parle. At the time I'm speaking to you. Ainsi m'a parlé l'Éternel. So spoke to me the prophétise Lord. Mon serviteur. Prophesy my servant. Et Christian. And Christian. Viendra la chercher au Cameroun. Amen. Christian viendra au Cameroun, alors je Christian parle. Come to Cameroon. Il n'a connu que déception là-bas. Déception sur déception. Il s'est marié, il a divorcé. Il a rencontré des femmes blanches, une, deux, trois. C'est la déception. Alors je parle. Il pense revenir au Cameroun pour chercher une décesseur. Et c'est votre nom que l'ange m'a demandé d'envoyer. Amen. Dieu nous parlera. Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui. Dieu veut parler encore aujourd'hui. Dieu veut vous adresser sa parole. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Mais la prophétie nous éclaire. C'est pour cela que David a dit, ta parole est une lampe sur mon sentier. Vous avez besoin d'un prophète. Vous avez besoin de la parole de l'Éternel adressée par la bouche d'un prophète moins qualifié pour vous orienter dans votre vie et pour vous montrer ce que vous devriez faire. Vous révélez les bonnes personnes autour de vous, d'une part, et les mauvaises personnes autour de vous, d'autre part. Vous voulez connaître la pensée de Dieu, connaître cette personne, est-ce qu'elle est bonne, cette entreprise, est-ce qu'elle est bonne, est-ce que je m'engage sur une bonne voie, vous avez besoin d'un prophète, dimanche le 23 février, à partir de 16h, avec toi, mais qui ne manquait pas, le rendez-vous prophétique. La prophétie sera accordée et votre vie ne sera plus jamais la même. Des guérisons extraordinaires, des maladies mystiques ou simples, des maladies curables ou incurables, Dieu vous accordera un témoignage. La parole de Dieu enseignée avec force et puissance pour vous apporter la délivrance. Deux grands rendez-vous, dimanche le 23 février, à partir de 16h, en découdre avec la sorcellerie, vaincre la sorcellerie et ses œuvres par le sang de Jésus-Christ. Et dimanche, le 1er mars, le grand service de plainte à l'Éternel avec service d'eau ointe pour briser les malédictions, les maladies, les limitations, les barrières spirituelles, maléfiques dans nos vies pour que cette année soit une année de bonheur et de fête
à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et pendant que vous venez, que la grâce de Dieu abonde avec vous. J'ai hâte de vous retrouver ce dimanche 23 à 16h. Toi, Mickey, et ce dimanche 1er mars à partir de 8h au Palais des Congrès de Yaoundé. Quand vous venez, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.